J'étais m'acheter, là il y avait un traiteur chinois, je m'étais m'acheter deux trucs. J'ai mis les vacus, ça n'était pas très long. C'était bien sûr pas fait. A priori, il n'y a aucune identification du policier qui a tiré. Et l'État français est muet à ce niveau-là. Personne est borné. Interview avec RT. Quand on allait sur Bastille, on cherchait le métro. C'est la jambe! Quel est votre premier cœur? Aou! Aou! C'est la jambe! Aouh! Aouh!
Français pour leur communiquer sur la répression, la justice pour les blessés et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous avons bien sûr une forte pensée pour Zinedine Zidane et Rémi Fraisse, oui, la famille des victimes, ainsi que toutes les personnes tuées et mutilées par la répression, dans le silence et l'impunité la plus totale. Oui. Personnes. 5 ont perdu un bras, 1 a été amputé la testicule, 2 ont perdu le bras, plus une vingtaine d'autres qui ont été mutilés au pied, qui ont perdu les dents ou les partilages aussi. Autant de vies détruites et de familles traumatisées. Nous ne lâcherons rien, les mutilés pour l'exemple. Et maintenant, je vais laisser la parole à Patrick. Dans le lendemain, le 24 novembre, de grâce aux encerclements en porte et en revêche. Aujourd'hui, je suis bague contre de nombreux autres manifestants. C'est inadmissible, incompréhensible, intolérable, sans parler des morts. N'oublions pas ces mêmes tués par une grenade lacrymogène. N'oublions pas ceux qui ont perdu une main. N'oublions pas ceux qui ont des plaques de métal en vue, au sein de nous, en vue du visage, en vue du front. C'est inadmissible, inadmissible. Nous sommes dans un état de droit. Let's go.